Nicolas, qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air perdu dans tes pensées. Il y a quelque chose que tu ne sais pas, Lucia, que je ne t'ai jamais dite. Et peut-être bien que ça a un lien avec l'assassinat de Doña Catalina Restrepo. Dis-moi. Je crois que nous entrons dans une guerre. Absurde et insidieuse. Nicolas, s'il te plaît, explique-moi, je ne comprends pas. J'ai reçu des nouvelles du Sud. Les esclaves là-bas se révoltent contre leur maître. Tu veux dire contre l'injustice? Il y aura toujours des gens pour la combattre. Penses-tu que l'injustice peut se combattre en tuant des blancs? Ces gens, Lucia, ils abattent des citoyens honnêtes. Des familles entières, des femmes, des enfants. Ils écrasent tout ce qu'il y a sur leur passage. Et ça me rappelle ce qui s'est passé il y a bien longtemps. L'histoire se répète. Quelle histoire? Dis-moi. L'histoire de l'Éden. Ce qui s'est passé à l'époque, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je suis intimement persuadé que les Quintero ont été tués par leurs propres esclaves. Poussés par les nègres marrons, je me rappellerai toute ma vie comment ils ont mis fin à la vie de Domingo et de Doña Elena. Des gens honnêtes comme nous, Lucia. Mais je ne veux pas en parler maintenant. Je ne veux pas te faire peur. Nous en avons déjà assez vu aujourd'hui. Demain a lieu l'enterrement de Doña Catalina et nous devons y aller. Oui. Tu restes avec moi cette nuit. J'aurais bien voulu, mais... c'est un mauvais jour. J'avais oublié. J'ai hâte que cette période soit enfin passée. Oui, moi aussi. Mais pour l'instant, je te laisse te reposer. Bonne nuit, Nicolas. Bonne nuit. Avec ces deux bassines, je finis de remplir la baignoire de madame. Qui l'aurait cru, hein? Elle apprécie beaucoup de prendre des bains. Hilaria. Oh, mes pauvres jambes. Et moi-même, nous aurions bien besoin de ces bains que tu prépares si bien pour madame. Mais vu que tu n'as rien à faire de moi... C'est que tu n'es pas mon maître. Tu ne devrais pas avoir de maître. Oh, cerveau. Recommence pas avec ça. Tu sais très bien ce que je pense de tout ça. Hilaria! Hilaria, on t'appelle. Hilaria! Dans cette maison, ils peuvent pas vivre sans moi. Fais attention que l'eau ne s'évapore pas. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je te croyais avec les autres prêts à partir à Santa Marta. Je viens te demander une faveur. Oui, maître. Ferme la porte. Maître, madame, votre mère m'attend et... Tu es très fidèle à ma mère, n'est-ce pas? Oui, monsieur, c'est tout à fait vrai. Est-ce que tu l'aimes? Oui, bien entendu, je l'aime. Pourquoi ça? Elle n'est aimable avec personne et encore moins avec les esclaves. Avec moi, elle est bonne. Elle m'a appris à prier, elle m'a appris à lire. Ma mère t'a appris à lire? Oui, il y a longtemps. Elle n'aimait pas que je ne puisse pas suivre ses lectures de la Bible. Hilaria, que sais-tu de la cause noire? Moi? Je ne sais rien, monsieur. Hilaria, ne me raconte pas de mensonges. Je sais que vous tous, vous connaissez tous les détails et les responsables. Monsieur... je vous jure que je sais rien de ce que font ces gens et je suis pas d'accord. Qui sont-ils? Je ne sais pas. Ils sont très prudents. Comment vont tes fils dans les mines, Hilaria? Je ne sais pas, monsieur. Je n'ai pas de nouvelles depuis longtemps. Je ne reçois plus de lettres. Je sais les efforts que tu fais pour leur envoyer de l'argent.
et que sans ton soutien, elle serait moins bien lotie. Je veux t'aider à les faire venir ici. Merci, maître. Vous êtes un ange. Mais tu vas devoir payer ce voyage en information. Je ne comprends pas. Je veux que cette nuit, tu ailles à la fête des esclaves. Je veux que tu me remettes les noms. Tous les noms de chaque personne qui aide Miguel. Je sais qui est le chef de la cause, mais je veux savoir qui est avec lui. Les noirs comme les blancs. Je veux tous les noms, et tu vas me les donner. Alors, tu pourras revoir tes enfants. Tu es prêt à sortir, Trinidad ? Aujourd'hui est un jour important. Je veux voir Felipe. Partez devant, je vous rejoindrai plus tard. D'abord, j'ai quelque chose d'important à régler. Allez, venez, on y va. Si tu dois autant réfléchir à ce que je t'ai demandé, alors tu n'es pas aussi fidèle à la famille que tu veux bien le dire. Et tu n'aimes pas tes fils autant que tu l'affirmes. Tu es une mauvaise mère, Hilaria ? Non, monsieur, bien sûr que non. Non, mon maître. Non, maître. Eh bien ? Je vais devoir reposer la question. Non, maître. Non, maître quoi ? Je vais vous donner les noms de tous ceux qui aident Miguel dans cette cause. Voilà qui est bien. Et je veux que tu me dises ce qu'il prévoit d'autre. Tu me donnes ça, et je te donne ta famille. Oui, maître. Toute l'eau de la bassine doit être évaporée, et Doña Adela doit être frigorifiée. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais ? Je m'en vais. Où ça ? À la fête. Hilaria ! Hilaria ! On va bien s'amuser, hein ? Oui, bien sûr. Il faut que je te parle, mon petit. Mon petit ? Quelle bête t'a piqué ? Attends-moi, Miguel. Je croyais que tu ne viendrais pas. C'est que je cherchais une chemise à porter. Celle-là te va très bien, Trinidad. Merci beaucoup. Je peux pas y croire. Oh. Et alors, Hilaria ? Comment va faire Doña Adela sans toi cette nuit ? Eh bien qu'elle se débrouille toute seule cette nuit. Parce que j'en ai marre d'entendre la même rengaine. C'est bien pour toi, Hilaria, enfin, si tu te mets à penser. Maintenant, tu vas avoir l'air d'être l'une des nôtres. Tu vas voir comment je vais te faire danser. Elle en a juste l'air d'être des nôtres. Je vais te faire danser toute la nuit. C'est quoi ce livre ? Ce sont des plans du tunnel de guerre de Santa Marta. Je l'ai trouvé chez le général. L'un d'entre eux doit être celui que j'ai vu avec Miguel, mais je ne sais pas lequel. Il y en a tellement. C'est peut-être celui-là. Mais je ne suis pas sûre. Une minute, s'il vous plaît. Nous sommes dans notre plus simple appareil. Cerveau ? Excusez-moi, mademoiselle Remedios. Tenez. Trinidad m'a demandé que je vous le remette en main propre. Bonne nuit, madame. Bonne nuit, cerveau. Si vous permettez. Merci. Qu'est-ce que c'est ? Fais voir. Regarde. C'est un objet typique des amoureux. La nacre symbolise la pureté. Et la spirale, l'éternité. Comme c'est beau. Hilaria ! Hilaria, où est-ce que tu es passée ? Hilaria, je veux sortir d'ici ! Thank you.
Hilaria ! Entre. Tu ne m'as apporté ni mon eau chaude, ni mon cognac. Adela, c'est moi. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je me tue à appeler Hilaria, c'est d'elle dont j'ai besoin, pas de vous. Hilaria n'est pas là parce que Nicolas l'a envoyée à la fête. Et pourquoi personne ne m'a demandé mon avis ? Je suis seulement venue vous offrir mon aide. Je n'ai pas besoin de votre aide, non. Ne vous avisez pas de me toucher, laissez-moi seule. Envoyez une autre esclave. Adela, c'est que toutes les esclaves... Laissez-moi seule, j'ai dit. Laissez-moi seule, dehors ! Envoyez de l'aide ! Non, laissez-moi, ne me touchez pas. Tu vas finir par l'abîmer avec ton regard. Personne ne m'avait jamais rien donné avant. Je suis personne. Mais non, personne à part toi. Et en tout cas, jamais un homme. Qu'est-ce que tu as ? Je dois lutter contre les caprices de ma belle-mère. Et qu'est-ce que tu vas faire ? La sortir de la baignoire. Une bonne fois pour toutes. Victoria, je connais cette expression, c'est la même qu'au couvent quand tu préparais un coup. Enfin, entre. Excusez-moi, madame, voici votre... Oh, pardon, madame. Que fais-tu ici, espèce de dépravé? Oh, je ne savais pas, madame, que vous étiez sortie de... Dehors. La marquise. Dehors. Oui, madame. Dehors. Oui. Pardon, dehors. Madame. Dehors. Pardon, pardon, madame. Oh. Cerveau, pardon de t'avoir mis dans cette situation, mais c'est ce qu'elle méritait. Oh, madame, il arrive que Donia Adela m'inspire de la compassion. Adela est la personne la plus égoïste au monde. Oui, madame. Mais en même temps, elle est la plus pauvre du monde. Elle ne sait pas s'occuper d'elle-même, même pour les petites choses. Parce qu'elle a toujours eu Hilaria qui lui fait tout. Depuis quand Hilaria est chez les Parimés ? Oh, ça fait longtemps. Elle était là avant que j'arrive, à ce que je sais. Hilaria a été pour Adela ce que Rosita était pour la petite Isabelle. Sa seule compagnie. Adela l'a choisie d'un lot qui était arrivé directement d'Afrique, madame. Elle a été une des rares à avoir ce privilège, mais ça fait très longtemps. Elle vient d'Afrique ? Je pensais qu'elle était née et qu'elle avait grandi en Colombie. Non, madame. La vie est plus facile pour ceux qui savent s'adapter et abandonner leurs souvenirs, comme Hilaria. C'est elle qui a pris la décision d'oublier son passé. Mais elle n'a pas pu oublier ses enfants. C'est impossible. Hilaria a des enfants. Et elle a deux fils dans les mines du Sud. Ce qui revient à dire qu'ils sont morts, vous savez, madame. Si vous permettez... Vous allez entrer ? Je demanderai pas mieux, Hilaria, mais je crois que ça plairait pas aux autres. Alors vous les laissez... Vous nous laissez sans surveillance ? Et personne ne s'échappe ? Qui voudrait passer à côté de la seule joie que vous avez ? Ou peut-être que personne n'a essayé. En tout cas pour l'instant. Et si quelqu'un essaye, je pense qu'il irait pas bien loin. Ne t'inquiète pas. Nous allons rester ici à attendre pour vous escorter jusqu'à l'Éden. Profite autant que tu peux.
mon ami. Bienvenue. C'est un plaisir pour moi que vous vous réunissiez ici. Merci à vous de nous recevoir. C'est normal. Miguel, nous ferons tout pour la cause. Nous sommes avec vous, enfin, Jésus et moi. Ouais. Parce que ma sœur n'est pas tout à fait sûre encore, parce que, après tout ce qui est arrivé à Doña Catalina, elle s'inquiète beaucoup, elle a peur de ce qui pourrait nous arriver, et elle a raison. Ce n'est pas la seule. Mais la peur ne peut pas l'emporter. Bien sûr que non. Les choses ne sont pas faciles pour les esclaves. Et quoi de mieux que de se réfugier dans la maison d'un ami? Ma maison est ta maison et celle des autres. Jésus, tu peux dire à ta sœur, si ça la rassure, que nous n'allons pas créer de problème. Je sais. Miguel! Nous voulons aider votre cause. Alors sache que plus nous entendrons ces instruments, et plus la réunion pourra tenir. C'est compris. Bonne soirée. Voici les représentants des haciendas à côté du fleuve Mirandita et la Barrera. Ils sont intéressés par ce que tu as à dire. Ce que je vais vous dire ne doit pas sortir de ce cercle. Le sujet est quelque peu compliqué. Miguel, tu peux me dire pourquoi tu n'as pas laissé Diosdado venir? Parce que nous partageons ce qui concerne la cause seulement avec des gens de confiance, Candela. Mais enfin, Miguel... Est-ce que tu pourrais rester muet, pour une fois? Mais ce que oui, Trinidad. J'ai toujours été de votre côté à tous. De notre côté. Je vais pas changer maintenant, hein? Vous trouvez que j'ai une tête de traîtresse? Non. Mais c'est bien le problème. On ne peut se fier qu'aux têtes pour deviner qui nous planterait un poignard. Excuse-moi d'être méfiant, Candela, mais nous ferons comme ça à présent. Suivez votre instinct, comme je l'ai fait avec toi, Candela. Viens, prends un verre. Je sais que t'es l'une des nôtres. Raconte-nous ce que t'as découvert. Il y a peut-être un moyen pour tous les esclaves de l'Éden et des haciendas voisines de s'échapper. Comment? En passant sous les pieds des maîtres. Sous les pieds des maîtres? Maître? Si vous le permettez, je préférerais rester ici pour passer la nuit avec ma maîtresse. Oui, c'est une bonne idée. On dirait que sa fièvre a baissé. Ah oui? Faites voir. Pardon. Maître, vous avez de la visite. Qui est-ce? C'est Don Nicolas Parignon. Profitons d'être seuls, Paca. Oui, je sais que c'est important. Ne t'inquiète pas pour moi. Oui, va. Oui, oui. Je sais que tu es derrière l'assassinat de Catalina Restrepo. Qu'est-ce qui te fait penser que... Ne fais pas l'innocent. Tu nous as devancés, Damien et moi, et je sais comment. Je t'ai dit de ne pas provoquer les Restrepo, et tu ne m'as pas écouté. Quelqu'un devait bien s'y coller. Je ne pouvais pas rester les bras croisés face à ces gens qui soutiennent les esclaves, qui osent nous pointer du doigt en plus. Francisco, je ne suis pas venu pour qu'on se dispute. Mais je veux que tu saches que je n'apprécie pas du tout ta manière de gérer les choses. Il faut bien que quelqu'un règle les problèmes à la racine. Je m'en suis chargé parce que toi, tu ne fais rien. Il t'en prendra une blanche, ce n'est pas pareil que tuer des noirs. Tu ne t'en rends pas compte? Le général Marquez va faire son travail. Il va enquêter. Il n'y a rien qui puisse t'incriminer. Je ne suis pas stupide, il n'y a rien. Je ne dis pas que tu es stupide. Mais on oublie toujours quelque chose, alors réfléchis. Tu es sûr qu'il ne pourrait pas y avoir un témoin gênant? Soldat Garcia, pourquoi n'avez-vous pas appelé Granados le soir de l'entrée par effraction chez Caicedo? Je voulais, mais je ne l'ai pas trouvé, mon général. Et ensuite, pourquoi n'êtes-vous pas allé chez Caicedo? Parce que mon père ne l'y a pas vu. J'ai suivi le protocole. Je suis allé monter la garde dans le chemin avec mes partenaires. Puis-je vous demander pourquoi vous m'interrogez, mon général? Ce sera tout pour l'instant, soldat. Vous pouvez vous retirer à présent. Mon général... Il nous faut découvrir où était ce soldat au moment de l'assassinat de Catalina Restrepo et d'Isaias. Et tu crois qu'il... C'est une affreuse possibilité pour notre bataillon.
Avoir un assassin dans nos rangs serait un déshonneur. Mais c'est la seule piste que nous ayons, et nous devons la suivre. Nous devons découvrir si ce tunnel nous mènerait à la liberté. S'il passe effectivement sous l'Éden, il faudrait savoir s'il passe aussi sous les haciendas alentour. En ce qui concerne l'Éden, nous devrons provoquer des punitions pour aller petit à petit dans la fosse et creuser si c'est nécessaire. Ou alors chercher la sortie du tunnel, si jamais elle existe. Et s'il faut creuser, qu'est-ce qu'on va faire de toute cette terre? Pour ça, nous devrons compter sur nos alliés blancs pour nous venir en aide. Je veux vous voir bouger vos corps, mes frères! Gabriel, Jésus, venez! J'imaginais pas ça comme ça. Que puis-je faire pour toi? J'ai un service à te demander, mais je ne sais pas si tu peux m'aider. C'est que personne d'autre que nous ne sache ce que nous avons fait à ces esclaves. Et ce que nous avons fait aux Lopez. Exactement. Les Lopez sont un bon exemple, en effet. Avec eux, nous avons tout bien arrangé, tu vois? Il n'y a que comme ça que nous pourrons être tranquilles. Ne t'inquiète pas, Nicolas. Ou du moins pas pour moi. Parce que je m'en vais cette nuit sans plus attendre. Ne me regarde pas comme ça. Je prépare mon départ depuis très longtemps, tu le sais très bien. Je ne savais pas quand, mais là, c'est le moment. Ma femme est fatiguée, je la laisse se reposer. Et nous partirons, je préfère voyager la nuit. Fais attention sur les chemins. Dernièrement, des choses horribles s'y sont produites. Ne t'inquiète pas, les chemins, je les connais comme ma poche. Nicolas. Nous ne nous reverrons plus jamais. Je l'espère bien. Je voulais savoir si tu pouvais nous prêter cet endroit pour autre chose que faire la fête. Et de quoi veux-tu parler exactement? Nous avons besoin de cacher nos outils et les monticules de terre que nous avons déplacés. Parce que nous y avons trouvé un tunnel. Je te l'ai déjà dit, Miguel. Compte sur nous pour ce qu'il te faut. Merci, mais comment va-t-on bouger la terre? Je donne des cours de musique à Isabelle. Si nous trouvons une charrette comme transport, nous pourrions... Ah non, le problème, c'est que j'ai pas un sou. À nous tous, nous pouvons en louer une. Oui, mais on ne peut pas laisser la charrette à côté de la fosse où nous avons trouvé l'entrée du tunnel sans éveiller les soupçons. Nous allons y réfléchir et nous te tiendrons au courant. Fais tout passer par Milagro. Et on va s'arrêter de parler, on nous observe. Qui ça? Tout le monde. Marcher sur le pied. Oh, désolé, Candela, c'est que je sais plus danser. Vous voulez que je vous apporte à boire? Je vous invite. Non, Hilaria. Une invitation de ta part n'augure rien de bon. Miguel, ne sois pas aussi dur avec elle. Ce n'est pas toi qui as dit qu'elle était mêlée aux affaires de sa maîtresse? Ça me plaît pas beaucoup, Milagro. Il vaut mieux qu'Hilaria ne soit au courant de rien. Continuons à faire la fête. Il faut agir normalement, comme d'habitude. Tu peux compter sur nous. Merci, mon frère. Au revoir. À bientôt. À bientôt. C'est fou comme Hilaria est différente. Ah oui, je ne sais pas comment on peut supporter autant d'humiliation et être connaissante comme elle l'est. Eh bien moi, je ne vois pas d'un bon œil qu'elle soit ici. Trinidad, ne sois pas aussi dure avec elle. La vie ne lui a pas fait de cadeau, ça a été difficile pour elle. Oui, mais la vie n'a fait de cadeau à personne ici, Thomas. T'as arraché tes enfants pour les vendre dans les mines, peut-être? Oh, mais je n'étais pas au courant. Eh bien, Madame la Commère, enfin quelque chose que tu ne sais pas. Tout le monde a vécu son lot d'horreur. Ne l'oublions pas.
Hilaria ! Hilaria ! Viens par ici ! Hey, qu'est-ce que tu fabriques ? T'inquiète pas, Trinidad, je ne vais rien lui dire. Mais on ne va pas non plus la laisser toute seule et la rejeter comme si on était les maîtres. Viens ! Tu iras parler à Gabriel et Jésus pour voir s'ils ont trouvé une solution pour la terre du tunnel. Dis donc, on t'a vu danser, c'était qui, lui, ton futur fiancé ? Bonsoir. Hilaria ! Est-ce que vous avez des nouvelles de Don Felipe ? Pauvre homme. Je ne sais pas comment il va réussir à se relever d'une pareille épreuve. Nous avons perdu une personne précieuse, mais nous allons continuer comme prévu, non ? Bien, Angela. Allons danser. Tono, ferme la porte. Personne ne doit nous entendre. Il faut partir maintenant, monsieur. Pourquoi ça ? Le général m'a appelé pour m'interroger. Il est très suspicieux. Il voulait savoir pourquoi vous n'étiez pas à l'hacienda de Don Calixto. Et que lui as-tu dit ? Que je ne vous avais pas trouvé. Bien, soldat. Tu as effectué un excellent travail, Garcia. Je suis satisfait de tes services. Chut, là, là. Voilà. Je ne pouvais pas laisser de témoins gênants. Enterre-le et dès que tu auras terminé, mets toutes mes affaires dans la charrette et prépare les tiennes car nous partons d'ici. Pour lui dire combien je suis désolé de la mort de Catalina. Ah, si tu veux, je le lui dirai. Demain a lieu l'enterrement, je le verrai. Tu veux que je lui parle aussi du tunnel ? Je ne crois pas qu'il ait la tête à ça. Mais oui, on verra ce qu'il en dit. Arrêtez la musique ! Allez, tout le monde vers la sortie, la fête est finie. Oh, il est l'heure de rentrer. Allez, allez, dehors ! Pourquoi finir aussitôt ? Pour une fois que vous pouvez s'amuser ? Tu arrives une fois que la fête est finie. J'ai pas le droit de sortir de l'hacienda, mon maître ne sait pas que je suis là. Et pourquoi ? Venir ici est le seul droit qui nous est reconnu. C'est lui qui a assassiné les affranchis. Que dis-tu, Paca ? Je dis qu'il les a tous tués. Ma maîtresse l'a entendu le dire, elle voulait que vous le sachiez. Marcos devait vous le dire, mais il semble avoir disparu. Alors ce n'était pas Jaime Lopez le coupable ? Thomas ! C'était les Lopez. C'était les Lopez avec Granados, écoutez-moi s'il vous plaît. Il a aussi participé à leur meurtre. Et il a tué Rosita. Ma maîtresse ne peut pas le dénoncer. Elle peut à peine respirer. Le maître l'a battu méchamment. Alors ce maudit chien ne va pas payer. Non. Si, parce qu'il prépare ses valises, il veut partir aujourd'hui même. Et il veut aussi emmener Doña Ana. Mais elle ne peut pas bouger. S'il la fait monter dans la charrette, le voyage va l'achever. Miguel. Non, Thomas. Il ne va pas partir. Il doit payer pour ce qu'il a fait. Miguel, bon sang, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire, hein ? Miguel ne part pas. Organisez-vous pour repartir. Chacun va avec son groupe et son garde. Oh, j'ai les pieds en compote d'avoir autant dansé. Et ça doit être pareil pour toi. Tu veux danser avec cet homme. Tu nous avais gâché ce talent, dis donc. Hilaria, un amoureux. Ah oui, je l'ai vu de mes propres yeux. Couvrez-moi. Dès que je le peux, je vais vers la montagne. Attends un peu. Qu'est-ce que tu comptes faire en arrivant chez Granados ? Ne sois pas stupide. J'en ai marre d'attendre que les choses changent alors que la mort est partout. Une mort de plus ne résoudra rien, Miguel. Mais explique-moi comment tu veux m'arrêter, Thomas. Maintenant qu'on sait que cet imbécile a tué Rosita. Miguel, arrête. Cette blessure, je vais la porter toute ma vie, mais je ne veux pas y ajouter celle de ta mort. Que crois-tu qu'il va se passer quand tu vas affronter cet homme ? S'il te tue, Victoria ne le supportera pas. Tu viens dans qui est Victoria ? Paca, dis-moi, est-ce qu'on peut prendre un raccourci ? Je te suivrai. Les derniers, dans vos groupes! J'avais pas envie de partir. Milagro? Les fêtes sont toujours trop courtes. Ah ouais, pourquoi tu n'attendrais pas pour venir avec moi dans le dernier groupe? Je m'en charge. Non, merci. Enfin, seulement si vous me tenez compagnie. Hmm.
Allez, allez, on y va. Écoutez-moi, c'est l'heure. Allez, en route. Allez. Attends une seconde. Dis-moi qui est Victoria. Pas maintenant, Trinidad. Sainte Marie, Mère de Dieu, tu vas passer la nuit à veiller? Rendors-toi, Remedios. Penser au tunnel m'empêche de dormir, ça et Nicolas qui dit vouloir des enfants. Mais ça n'arrivera pas. Très bien, ce tunnel, c'est la première partie du plan. Et la suite? Comment va-t-on faire passer tous ces gens de l'autre côté de l'océan? Dans un bateau. Un bateau en papier? Dans un bateau que nous allons louer. Et avec quel argent? Nicolas? Un problème? Non. Excuse-moi de t'avoir réveillé. Je voulais seulement te voir. Je vois que Remedios est revenu. J'espère que ça ne te dérange pas. Pour nous retrouver tous les deux, nous avons ta chambre. Je ne veux pas parler de ça. Je voulais seulement te dire que j'aime comment notre relation a évolué ces derniers temps. Et j'espère que petit à petit, elle s'améliorera encore. Lucia, je ne vais jamais t'obliger à faire quoi que ce soit si tu ne le veux pas, mon amour. Si tu es ici avec moi, c'est parce que tu l'as décidé. J'espère que tu oublieras qu'il m'est arrivé de te menacer. Pardonne-moi. Bonne nuit, Nicolas. Bonne nuit. Serait-il possible que ce démon ait un cœur et qu'il tombe amoureux? Ne dis pas de sottises, Remedios, s'il te plaît. Il a dit ça pour se sentir en paix et mieux me contrôler. Allez, dormons. Il manque des gens. Oui, je l'ai remarqué, Julian. C'est parce que beaucoup ont bu et du coup, ils marchent doucement. C'est comme d'habitude. Pourquoi vous vous inquiétez? Avec l'histoire des inscriptions sur les maisons, l'ambiance est assez tendue. Mais ça, c'est de la pure fantaisie. Encore un fantôme qu'ils ont inventé pour nous contrôler. Ce serait un mensonge, cette histoire de cause. Pour moi, ce n'est qu'un petit groupe d'aigris. Mais nous, quand aurions-nous le temps? On passe notre vie à travailler ici. Tu as sûrement raison. Comme d'habitude. Tu as fait ce que je t'ai demandé? Oui, maître. Va chercher deux esclaves qui vont nous accompagner. Dois-je prévenir Donia Anna? Non. Nous la réveillerons quand tout sera prêt. Dépêche-toi. Milagro, tu m'aides à faire les comptes? Maintenant? Ça donnerait l'impression que vous n'êtes pas un homme. De quoi tu parles? Je suis bien un homme, si tu veux, je te montre. Oh là! Je disais ça parce qu'il manque encore des gens. On dirait que j'ai été convoité. Venez, allons boire un verre et parler. Seulement parler? Faites ce que vous voulez, mais n'y mêlez pas ma maîtresse. Elle n'a rien à voir avec tout ça. Ne t'inquiète pas, Paca. Je sais bien que Donia Anna est une grande dame. Et qu'elle ne mérite pas d'avoir un mari comme lui. Nous faisons ça aussi pour elle. Pour Rosita, Juan, Ruben et Sabas. Et tous les autres qui ont perdu la vie à cause de personnes lâches comme Francisco Granados. Paca, nous avons besoin de deux ou trois choses. Est-ce que tu peux nous dire où nous les trouverons? Oui. Oui, allons-y. Allons-y.
Pourquoi tu es toute seule? Paka m'a dit qu'elle resterait ici pour t'aider et s'occuper de toi. Elle me fait une infusion. Parce que je me sens très mal. Attends que j'aille chercher cette bonne à rien. Non. Laisse-la. Laisse-la finir de me la préparer, s'il te plaît. Nous devons être prêts à partir, Anna. Il faut que tu rassembles toutes tes forces que tu peux trouver. Parce que nous allons partir d'ici. Oui, nous allons partir. Où allons-nous? Nous allons dans l'arrière-pays. Nous allons recommencer à zéro. Nous allons là où nous ne verrons plus jamais ces Noirs. Tu vas manquer cette nuit, ma chérie. C'est vrai? Tu sais ça? T'étais où pendant la fête? Pourquoi? Je t'ai manqué peut-être. Ouais, beaucoup. Va vite dans la maison, le maître te demande. Il a l'air en colère. J'y vais. Et qu'est-ce qui t'est arrivé? Il ne m'est rien arrivé. Tu as laissé Donia Adela toute seule dans son bain. Et maintenant, le maître te demande à 7 heures. Je te l'ai déjà dit. Dans cette maison, ils peuvent pas vivre sans moi. Il faut que tu enclenches le chien vers toi. Mais tu dois le faire avec force. Vous devez être sûr de vous. Œil pour œil, dent pour dent. Paka, ce n'est pas avec de la peinture que nous allons changer les choses. Oui. Nous sommes tous avec toi. Bon, allons-y. Va chercher Paka dans la cuisine. Monsieur, je viens de la cuisine et elle n'y était pas. Comment ça? Elle est où alors? Elle est où? Anna, où est Paka? Où est-elle? Dis-moi où est Paka! Si tu restes calme, tu ne seras pas blessé. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous êtes venu me voler? Savez-vous seulement à qui vous parlez? Je suis le capitaine Francisco Granado, je suis un officier de la République! Mais bien sûr, nous savons quelle sorte de malade vous êtes. Oh Anna! Stop! On se calme! Tu vas payer pour tout ce que tu as fait, maudit chien! Vous allez tous mourir. Mais tu ne comprends rien, imbécile! Cette fois, c'est toi qui fais la proie! Écoute-moi bien, l'esclave. Je suis un cavalier très respecté au sein de cette cité. Si vous osez lever la main sur moi, ils vous arracheront la peau vivant. Nous verrons qui va arracher la peau de qui. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Paka. Oui, madame. Aide-moi, je veux aller voir ça. Oui, madame. Pourquoi tu n'es pas venu me voir dès que tu es rentré, Hilaria? Pour ne pas attirer les soupçons, monsieur. C'était déjà étrange que j'aille à cette fête et les autres sont méfiants au plus haut point. Tu as bien fait. Et alors, qui sont ceux qui parlaient du sujet qui nous intéresse? Miguel, Paka, qui est une esclave de l'hacienda du capitaine Granados, et d'autres esclaves qui viennent d'autres haciendas, mais je n'ai pas leur nom. Personne d'autre d'ici? Non, monsieur. Trinidad, mais comme c'est un ami très proche de Miguel et qu'ils sont toujours ensemble, je ne les ai entendus parler de rien de grave. À quel point aimes-tu tes fils, Hilaria? Beaucoup, maître. Tu crois beaucoup. Que ce que tu m'as dit est suffisant pour que je fasse l'effort de les faire venir? Et ils ont dit que les inscriptions sur les haciendas, c'était le fait des restrepos. Y avait-il d'autres blancs impliqués?
Non, monsieur. De quoi parlait-il? Je veux une réponse concrète, Ilaria. Oui. Ils veulent... arrêter de travailler pour que vous amélioriez les conditions de travail. Et c'est tout? Oui, monsieur, c'est tout, et je vous jure que c'est ce que j'ai entendu. Maître. Et pour mes enfants. Nous nous en occuperons demain. Oui, maître. À demain.